L'Europe, on nous en parle tous les jours, à la télé, à la radio, dans les journaux. Malheureusement, c'est souvent avec des mots compliqués, des mots incompréhensibles. Alors, faute de comprendre, on zappe. Moi, j'aimerais vous parler de l'Europe avec des mots simples, des mots de tous les jours. Pour commencer, on va s'imaginer que l'Europe n'est pas une puissante institution politique, mais un être vivant, une femme. Qu'est-ce qu'on connaît de sa vie? Où est-elle née? Comment a-t-elle grandi? Qui étaient ses parents? Officiellement, ils étaient six. Il y avait l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. En 1952, ces six pays se sont mis ensemble pour créer l'Europe, parce qu'ils voulaient mettre un terme à leur guerre et lancer un nouveau projet politique basé sur la paix, la liberté et la démocratie. Ça, c'est l'histoire officielle. Et avec cette histoire officielle, on a l'impression que l'Europe est une chouette fille et qu'on peut lui faire confiance les yeux fermés. Mais est-ce vrai? Cette histoire tient-elle debout? Moi, franchement, je crois que cette histoire ressemble un petit peu à cette école vétuste et à ces murs délabrés. Franchement, faut pas gratter beaucoup pour se rendre compte que ça craquelle et ça se lézarde de partout. Alors, grattons! Toute famille a ses secrets et l'Europe nous en cache un de taille. Elle a un papa clandestin. Oui, un gouvernement étranger qui est intervenu dans sa conception dans l'espoir de lutter contre le communisme. Il faut se souvenir qu'à l'époque où l'Europe est née, juste après la Seconde Guerre mondiale, le communisme était très populaire, y compris en Europe de l'Ouest. À tel point qu'aux États-Unis, l'oncle Sam tremblait et avait peur que des pays entiers, comme la Grèce, l'Italie, la France, ne basculent volontairement, par choix démocratique, dans le communisme. Et c'est pour ça que l'oncle Sam s'est assis sur la démocratie et que la CIA a financé des partis politiques comme la démocratie chrétienne en Italie, qui ont joué un rôle de premier plan, à la fois sur le plan national, mais aussi dans la création de l'Union européenne. C'est aussi pour ça que la CIA a financé la création de forces ouvrières de manière à faire concurrence à la CGT, jugée beaucoup trop à gauche. Mais intervenir dans la vie politique nationale n'était pas suffisant. Face au bloc soviétique, la CIA voulait également avoir un bloc de pays européens soudés et unis. Et là encore, la CIA a offert de l'argent, beaucoup d'argent, à tous les mouvements politiques du vieux continent qui voulaient créer un projet européen. L'idée, avec ces masses financières de millions de dollars, c'était d'avoir les moyens de rendre populaire l'Europe auprès des gens. Et bingo, en 1952, l'Europe est née. Avant même que sa fille soit née, l'oncle Sam a dit ceci. Hors de question que les populations européennes fassent ce qu'elles veulent. Ce que je veux, moi, l'oncle Sam, c'est une Europe qui soit capitaliste, libérale et libre-échangiste. Pour imposer ce choix politique, l'oncle Sam a inventé le plan Marshall. Il voulait bien aider les pays européens ruinés par la guerre, mais à une condition impérative. Qu'ils ouvrent leur commerce national aux autres pays européens et aux produits américains. Sur ce point, l'oncle Sam a gagné son pari. Il a imposé à sa fille un cap politique rigide, l'ouverture des frontières au commerce, que l'Europe adore toujours aujourd'hui. Bien sûr, la mondialisation, ça rime avec délocalisation, restructuration, licenciement. Et honnêtement, on ne sait plus très bien aujourd'hui qui fabrique quoi, ni où, ni comment. Mais ça, l'Europe s'en moque éperdument. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de respecter les principes éducatifs que son papa clandestin lui a transmis. Il faut dire que l'Europe avait intérêt à marcher droit. Car lorsqu'elle n'obéissait pas, l'oncle Sam corrigeait sa fille avec un objet très contondant, l'OTAN. Peu de gens le savent, mais dans tous les pays membres de l'OTAN, il y avait des armées clandestines. Des militaires, avec des armes, des explosifs, des bombes, mais
sans aucune existence officielle et sans aucun contrôle démocratique. Ces militaires étaient préparés à faire des attentats, des attaques armées, en cas d'invasion du territoire par les communistes. Pour intégrer ces armées de l'ombre, le profil idéal était d'être anticommuniste notoire ou militant d'extrême droite, voire nazi. C'est pour ça que l'oncle Sam a sauvé énormément de dignitaires du Troisième Reich après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le général nazi Reinhard Gehlend a été propulsé à la tête des services de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest, où il est resté en poste jusqu'en 1968. Alors, offrir des armes et des postes à responsabilité à des fascistes, doit-on s'étonner ? À chaque fois qu'un pays allié sortait un petit peu trop de l'orbite définie par le gouvernement américain, les armées secrètes de l'OTAN frappaient, et elles frappaient fort. Avec des coups d'État, en Turquie, en Grèce, avec des attentats à la bombe, en Italie durant les années de plomb, avec aussi le général Franco, ce dictateur à la tête de l'Espagne, pays membre de l'OTAN, ce dictateur qui est resté à la tête de son pays jusqu'à sa mort en 1975, parce qu'il avait le bon goût de ne torturer, de n'emprisonner et de n'éliminer que des gens que l'oncle Sam définissait comme de sales gauchistes. Voilà l'histoire secrète et cachée de l'Europe. Une histoire dont on n'entendra jamais parler ni dans les écoles, ni dans les publications officielles. Pourtant, en 1990, le scandale des armées secrètes de l'OTAN a éclaté, avec le lien prouvé avec des attentats à la bombe en Italie. Le Parlement européen s'est même ému. Il a exigé que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Mais l'oncle Sam s'est contenté de dire ceci. Je n'infirme, ni ne confirme cette hypothèse. Et l'Europe ? Eh bien, elle a noué un petit peu plus tard de nouveaux accords sécuritaires avec les États-Unis au nom de la paix, de la liberté et de la démocratie. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'Europe et vous avez découvert un des membres de sa famille, son papa clandestin, l'oncle Sam. Vous avez également vu les principes éducatifs qu'il lui a transmis, être hypocrite et menteuse. Mais l'histoire de l'Europe n'est pas finie. Dans le prochain épisode, nous retrouverons l'Europe quand elle aura grandi. Vous verrez, ce sera une superbe femme, belle, jeune et épanouie. Une femme qui a rencontré un amant, qui a rencontré un ami, qui a rencontré un mari. Un mari, je peux déjà vous le dire, qui est aussi franchement une belle crapule.